all of you to the Values for Life series, episode 47, on Resilience. Bienvenue à la série Les valeurs de la vie. Nous allons d'abord passer un instant en silence et invoquer l'âme extrême, non, pardon, l'âme suprême. Okay, so again, good morning to all of you now because I am in the city of Montreal. Bonjour, je suis à Montréal en ce moment. Et bon après-midi, bonsoir à des gens à travers le monde. Alors, c'est la valeur, vertu, la résilience. C'est l'habilité de pouvoir se remettre de situations très difficiles. Alors, vous connaissez tous Sister Denise. Je voudrais parler d'elle, vous la présenter. C'est une des premières étudiantes en 1974 qui est venue comme étudiante de l'Ouest. Et elle a rencontré Daddy Yankee. Et ensuite, elle a travaillé à travers le monde, en Amérique. Elle a été aussi l'instrument pour ouvrir plusieurs centres à travers le monde. Elle a plus d'une centaine d'émissions de télévision Raj Yoga. Elle a aussi travaillé pour, elle a montré, elle a aidé des gens qui étaient dépendants. C'était dans un centre de détention au San Francisco pendant près de 12 ans. Elle a aussi habité pendant plusieurs années à Madhuban, où elle a écrit une dizaine de livres sur les valeurs. Et je suis moi-même un étudiant qui a gradué de ses cours sur les valeurs qui était présenté à Montabo. Alors, de 2007 à 2010. Alors, voici mon poème. Bienvenue à Sister Denise, que nous accueillons, emplie de passion, portant son sourire spirituel. En ce moment, dans le monde entier, tout devient de plus en plus rationné. Et les pays sont quasi prêts à s'éliminer. Difficile de retrouver la paix dans un monde empli d'agressions, ce qui fait que chaque âme subit stress et appréhension. Et c'est alors que nous avons Sister Denise qui est prête à servir le monde avec beaucoup de compassion. Alors, quelques mots sur le sujet. Aujourd'hui, elle nous guidera à développer notre résilience en essayant d'inculquer flexibilité et courage pour manier toute souffrance. La vie devient alors un beau voyage à expérimenter qui aide les âmes à réussir ce qu'elles ont envie de faire. Nous devenons soutien et apprécions les autres avec admiration, sans être égoïste. Une bonne fois pour toutes. Avant, on ne savait pas c'était quoi l'ego auparavant. Alors, vous pouvez cliquer sur l'icône. Alors, c'est environ 50-55 minutes. Et si vous avez des questions, vous pourrez écrire vos questions à Dr. Anu Patel parce que dans quelques instants, je n'y serai plus. Alors vous pouvez envoyer les questions à tous ou à Anu Patel.
Alors, quand je suis en contact avec Denise Lawrence, c'est toujours facile. Elle est toujours facile d'approche. Alors, merci Manoj et bon voyage à Manoj. Un beau bouquet pour Denise pour partager avec nous sa sagesse. Merci. C'est très gentil. Alors, je pense continuellement des sujets différents dont nous parlons au Raja Yoga. Et nous parlons des vertus, des pouvoirs, des qualités, des valeurs. Et j'aimerais mentionner l'histoire, un peu d'histoire au sujet de l'intérêt des gens en lien avec les valeurs. Quand il y a eu la dépendance en Inde en 1947, c'était un moment pour bien regarder de proche ce qui se passait en Inde, parce que c'était complètement nouveau ce qui avait été l'Inde se divisait maintenant en Pakistan et l'Inde, et plus tard, et de temps en temps, le gouvernement essaie d'épidier, de penser à certains problèmes et à essayer de trouver des solutions. Alors, par exemple, passer de la colonie britannique, à devenir un pays et aussi avoir eu des situations avec les autres pays de l'Europe et aussi il y a eu aussi les empereurs islamiques. Donc, l'Inde a toujours cherché son identité et indépendamment de toutes les influences qu'il y avait eues, soit religieuses, soit politiques. Donc, il y a eu trois commissions, dans les années 50, dans les années 70 et une dernière dans les années 80-90. Alors, à peu près à tous les 20 ans, il y a une commission qui est établie pour expliquer ou s'expliquer ou trouver des solutions. Et la conclusion de toutes ces commissions, c'est que les êtres qui habitent en Inde n'avaient pas de valeur. Alors, il y a eu des organismes religieux qui ont aidé à créer du matériel au sujet des valeurs pour que les êtres qui habitaient là-bas aient des valeurs. Donc, ce mot « valeur » est devenu un mot très important qui représentait une solution à des problèmes, pour représenter aussi une richesse pour l'Inde qui pourrait enlever le manque de richesse par rapport à l'expérience des gens en Inde, au sujet de ce que cela veut dire être une personne habitant en Inde, une personne de l'Inde. Alors, c'est devenu très important et c'est devenu très grand. Alors, à chaque fois qu'un mot positif était créé ou identifié, ça devenait une valeur. Et on appelait ce mot positif une valeur. Donc, on regarde la résilience comme étant une valeur, mais quand je préparais le cours sur les valeurs, j'ai découvert plusieurs choses. J'ai découvert plusieurs choses intéressantes. Une des choses que j'ai découvertes, c'était qu'on a vraiment besoin d'identifier ce qu'est une valeur, définir une valeur. Et les gens peuvent croire que n'importe quel mot positif est une valeur et que chaque valeur devient quelque chose de universel. Et c'est n'est pas possible d'avoir des valeurs universelles. Donc, la résilience est une caractéristique très importante
Alors, c'est parfois on a besoin de résilience. Il y a des personnes qui sont naturellement résilientes en termes de leur position dans la société ou encore dans les circonstances de leur vie, même par rapport à leur santé. Donc, tandis qu'il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Et la résilience est importante dans des circonstances où on a besoin d'être résilient. Mais si on regarde des animaux, si on regarde des plantes, vous allez voir que certaines plantes qui sont très résilientes et qu'elles ont beaucoup de facilité à vivre dans des circonstances ou des lieux très difficiles, tandis qu'il y a d'autres, les animaux et les plantes ne peuvent pas. Et si ils sont dérangés dans leur habitat naturel, elles ne pourront pas survivre. Donc, ce n'est pas une question de bon ou de mauvais, c'est la façon, c'est comme cela que c'est. Et si on utilise la résilience chez les êtres humains, chaque être est différent et chacun a sa gamme de sanskars et certaines âmes sont résilientes en lien avec la santé, mais dans d'autres domaines, ils ne se l'ont pas. Alors, par exemple, peuvent être résilientes. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas beaucoup de facilité avec l'administration. Donc, ça va varier beaucoup selon les circonstances et les situations de chaque être humain. Et quel est cet aspect de la résilience que nous possédons? Donc, si j'amène cette idée de résilience dans le domaine de la spiritualité, on doit aussi regarder ce que cela veut dire dans cette dimension spirituelle. Donc, on utilise souvent cette idée de la dimension spirituelle. Que veut dire la dimension spirituelle? On dirait que la dimension spirituelle est très profonde et privée, la dimension de l'esprit ou un esprit qui est en train de méditer ou d'être en communion avec Dieu. C'est le genre de résilience dont on a besoin. C'est la résilience à ce qu'on appelle la négativité ou Maya ou l'opposition. Donc, on va parler de cela. Je vais en parler un peu de cette résilience du point de vue de la spiritualité, du domaine de la spiritualité. Quand une personne commence à étudier le Raja Yoga, elle va avoir un angle particulier. Alors, plusieurs personnes arrivent au Raja Yoga de différentes positions. Certains vont avoir un angle plus spirituel, religieux. Donc, leur but, ce sera de trouver quelque chose de plus profond et en lien avec leur contexte religieux. Mais pas tout le monde est comme cela. Certaines personnes viennent au Raja Yoga parce qu'ils cherchent la vérité. Et la vérité est un mot très large. Et quand les personnes disent « je cherche la vérité », ils cherchent quelque chose quand même, quelque chose de très spécifique. Et la spiritualité, en ce qui concerne la spiritualité, on parle de Dieu, on parle des lois karmiques et tout cela. Donc, en Inde, c'est le pays où il y a un grand éventail d'écritures sacrées et de beaucoup de religions. Et c'est très, très riche du point de vue des religions et du point de vue de la spiritualité. Et quand on parle de la dimension spirituelle en Inde, c'est un domaine très vaste. Et quand on parle de Raja Yoga, c'est très spécifique. C'est une partie très spécifique en Inde on parle de la Bhagavad Gita, qui est très connue. Et dans ce texte, on parle beaucoup des circonstances
dont on parle de tapasya. Alors, ce sont des gens qui cherchent une pureté, elles sont à la recherche d'une spiritualité pure, pour que l'on puisse être constamment en communication avec l'être suprême. Et aussi, il y a une réaction à cela. Parce que le monde dans lequel on vit est empli de négativité, de difficultés. Donc, plusieurs personnes diront, le monde est presque un enfer pour un grand nombre de personnes. Le monde, les guerres font du monde dans lequel nous vivons un enfer. Et parfois, ce sont des dimensions, ce sont des difficultés financières, des difficultés de conflits interpersonnels. Et souvent, tout cela, c'est cette façon très spéciale de communier avec l'âme suprême. On a besoin de pouvoir être résilient pour pouvoir avoir cette communication personnelle avec l'âme suprême. Donc, il y aura des pensées, des souvenirs qui vont nous tirer vers des émotions et des distractions et des frustrations et toutes sortes d'émotions que vous ne pourriez pas nommer comme étant quelque chose de pur, de spirituel, mais ce sont des sentiments qui sont réels. Et si on veut s'asseoir tranquillement en méditation et aller vers l'intérieur, donc se déposer et descendre profondément en soi, on a souvent l'esprit très dérangé ou bouleversé ou troublé. Cela prend beaucoup de résilience pour pouvoir méditer malgré tout cela. Donc, la pratique spirituelle ne savent pas au départ, certains êtres ne savent pas qu'ils doivent savoir qu'ils doivent se retirer et être résilients devant tous ces bouleversements de l'esprit. Et on a besoin de résilience parce que tout ce qui doit être autour de nous doit devenir neutre. Et si on est attiré par toute cette négativité qui est autour de nous, on sera bouleversé et on ne pourra plus méditer. On ne pourra pas méditer parce que c'est quelque chose de très subtil. Donc ça, c'est un des aspects de la résilience. On a besoin de pouvoir être en mesure pour pouvoir méditer, on doit pouvoir être résilient du point de vue spirituel. C'est un peu plus large, dit Denise. On est aussi un être spirituel dans un corps physique et on vit dans un monde matériel où nous avons des responsabilités. Il y a toutes sortes de choses qui se passent et on doit faire face à toutes ces situations. Donc, il y a beaucoup d'opposition et une des choses que l'on apprend dans la Bhagavad Gita, c'est quelque chose d'intéressant. On a besoin d'avoir la neutralité devant tous les pairs d'opposition. Et c'est un élément très connu. Donc, on doit avoir, si quelqu'un veut travailler sur lui-même, il doit un jour ou l'autre rencontrer cet aphorisme de la Gita qui dit on doit être neutre devant le succès et l'insuccès, de l'échec, devant la louange et la diffamation, entre le chaud et le froid, tous les opposés, tous les éléments positifs et négatifs qui nous assaillent, on doit pouvoir rester neutre devant le positif et le négatif. Donc, c'est
Alors, chercher la neutralité et chercher la résilience, c'est des éléments difficiles. Et comme Dr. Manoj dit régulièrement, c'est, comme Manoj a dit, c'est une façon de s'en tirer, de s'en remettre, de réussir à passer par-dessus quelque chose ou d'en revenir. Donc, on doit être bien centré à cet endroit d'équilibre où l'on est vraiment en équilibre entre ces deux, entre les différentes paires d'opposés ou de contraires. Donc, ce n'est pas si facile, dit Denise. Et la question que l'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut développer la résilience en forme, sous la forme de la neutralité? Parce que je pense, dit Denise, que la neutralité ou de la résilience, c'est un élément très important. C'est un avantage, d'ailleurs, si quelqu'un est assez neutre devant tous ces contraires dans notre vie. Donc, la neutralité ne veut pas dire être indifférent ou qu'on se déconnecte d'une situation. On doit sentir ce qui se passe. On doit sentir le pouvoir du positif et du négatif, mais en même temps, on doit pouvoir manier les deux aspects, le positif et le négatif. Et parfois, quand on essaie d'être neutre, on a tendance à s'extraire de la sensibilité. Et quand on s'extrait de la sensibilité, on peut devenir quasi indifférent. Et je pense que le fait d'être indifférent et neutre, ce n'est pas la même chose, dit Denise. Et être neutre, on doit tout de même rester sensible à tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est probablement une valeur très élevée, dit Denise. Et cela veut dire qu'on doit être puissant, on doit avoir du pouvoir. Et quand on étudie et qu'on pratique le Raja Yoga et que on apprend à développer les différents pouvoirs. Il y en a certains qui sont très importants dans certaines circonstances faire face aux différents contraires. Les gens vous aiment, ne vous aiment pas, vous avez une bonne réputation, quelque chose se passe et tout d'un coup, vous n'avez plus une bonne réputation et tout le monde le croit et ce n'est pas vrai. Donc, comment réussir à manier tout cela est en lien avec le pouvoir d'endurance, le pouvoir de la tolérance. Et c'est un pouvoir très important que vous recevez du Raja Yoga. Donc, la résilience, c'est une valeur, mais c'est aussi un pouvoir dans la vie de quelqu'un. Être résilient devient un pouvoir dans la vie de quelqu'un. Donc, plusieurs personnes parlent de stress. C'est un élément très important. Tout le monde est stressé. Et certains pensent que le fait d'essayer d'avoir, de n'avoir aucun stress, et je crois que c'est mieux, dit Denise, de réussir à avoir une force à endurer le stress plutôt que de nier le stress. Et le stress est tellement quelque chose d'important. Plusieurs en parlent. Il y a beaucoup d'écrits sur les stress, des émissions, des programmes qui sont préparés. C'est un élément très... le stress est mis de l'avant et on en parle beaucoup. Donc, avoir ce pouvoir de résilience devant le stress, c'est un élément très important. Et je crois que l'on peut développer la résilience devant cet aspect du stress. Et cette question émerge, comment est-ce qu'on développe la résilience? Donc, si on y pense, qu'est-ce qui vous stresse en particulier? Et qu'est-ce que cela vous fait d'être stressé? Et habituellement, ça vous empêche de fonctionner normalement. Et si vous ne pouvez pas fonctionner normalement parce que vous êtes stressé, et ça peut être d'origine économique, ça peut être d'origine émotionnelle,
le stress ou que vous avez très peu de temps, vous avez beaucoup de choses à faire en très peu de temps et que vous ne pouvez pas manier ce genre de stress et cela augmente votre stress et qu'après, vous avez une réaction physique, émotionnelle, professionnelle et vous y. Et donc, avoir de la résilience envers le stress dans le monde du travail, dans la famille ou encore par rapport à votre santé, ce sont des choses qui peuvent être apprises. Il y a des techniques pour apprendre comment réagir devant le stress. Et à chaque fois que quelqu'un utilise une technique, souvent, ça ne fonctionne pas très longtemps parce qu'à chaque fois que quelque chose est une technique, on a le choix. Ça n'a pas tout à fait le même pouvoir, le même impact que quelque chose qui devient partie de soi. Donc, c'est une habilité qui doit être, on cherche une habilité qui va au-delà de la technique pour développer la résilience, dit Denise. Et alors, le processus de développer la résilience, on va pouvoir appliquer différentes techniques. Par exemple, on doit respirer d'une certaine manière. On doit utiliser ces techniques pour réussir à manier le stress. Mais parfois, ça ne dure pas très longtemps. Alors, c'est important de faire en sorte que l'on devienne plus fort tout en étant plus flexible. Donc, on doit regarder attentivement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on n'a pas cette résilience envers le stress? Et c'est une question très personnelle. Et une des raisons pour lesquelles la personne peut ne pas avoir de résilience, c'est parce que cette personne prend les choses personnellement. Et c'est quelque chose, c'est un aspect très profond. Ne pas prendre les choses personnellement, jamais. On dit, ne prenez pas cela personnellement. Non, je ne le prendrai pas personnellement. Mais on le prend personnellement. Donc, pour ne pas prendre quelque chose personnellement, on doit avoir une vision ou une compréhension encore plus large de ce qui se passe. Par exemple, dit Denise, je parlais à quelques personnes récemment qui sont tous en lien avec ce genre de situation et ce sont tous des écrivains, des auteurs écrivains et un écrivain professionnel a toujours le stress de l'éditeur ou de celui qui publie. Et il y a toujours le temps aussi. Donc, il y a un format qui est aucune erreur et dans un certain temps. Donc, les écrivains ont une certaine difficulté par exemple, aussi avec la grammaire ou l'orthographe. Et cela leur rendait la vie difficile parce qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas de bons écrivains parce qu'ils avaient la difficulté avec l'orthographe et la grammaire. Mais c'est assez optionnel, cette idée de penser qu'on n'est pas un bon écrivain, un bon scripteur, parce qu'on n'arrive pas à écrire grammaticalement correct ou l'orthographe. Mais le scripteur ou l'écrivain, c'est d'abord d'émettre des idées. Donc, si l'orthographe et la grammaire n'est pas juste, c'est assez très une toute petite chose. Mais cela devient une grosse affaire dans le monde de la publication. Et je leur disais qu'ils devaient se rappeler qu'il est normal dans certains environnements pour les autres de prendre quelque chose de peu important et de faire en sorte que ça devienne une très grande histoire qui nous permet ou qui fait que nous doutions de nous. Donc, et la raison derrière tout cela, dit Denise, c'est en fait une raison très basse. Une personne va se sentir
personnellement attaquer, mais quand on oublie, on doit garder les choses en proportion ou dans une bonne perspective. On doit, cela devient tout petit quand on comprend les règles du jeu et qu'on comprend le jeu ou qu'on comprend le contexte. Donc, il y a des environnements qui sont parfois, des contextes qui sont parfois, ou ces environnements qui sont parfois en compétition. Et parfois, on dit il ne doit pas y avoir de compétition. Et quand ils disent ça, on ne veut pas que la compétition soit en compétition. Donc, si quelqu'un joue le jeu ou si quelqu'un réussit à s'embarque dans ce genre de jeu, et tous ces jeux donnent du stress, et cela enlève vraiment de l'idée que les gens se sentent encore habiles ou habilités à faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on doit rester résilient tout en réfléchissant ou en sachant qu'il y a tout ce genre de jeux de compétition autour de nous et qui parfois ce sont des jeux qui enlèvent notre façon d'avoir confiance en soi. Donc, une autre façon d'être résilient dans ce genre de situation, c'est qu'on ne doit pas être naïf et on ne doit pas prendre tout au pied de la lettre. Parce que souvent, ce qui semble être n'est pas tout à fait la vérité. Et si on reste naïf devant cette situation et que souvent, on va assumer que les gens sont honnêtes avec nous et souvent, les gens ne le sont pas. Donc, on doit pouvoir le voir, on doit pouvoir le comprendre. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans un environnement contexte, quand il y a toutes sortes de jeux de ce type, on doit aussi pouvoir discerner et discriminer. Et c'est deux autres pouvoirs en Raja Yoga, c'est les pouvoirs dont on entend parler en Raja Yoga, le pouvoir de discerner. Souvent, les gens n'aiment pas le mot discrimination parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'un préjudice ou d'un préjugé. Mais la discrimination ou discriminer veut dire c'est que l'on voit exactement ce qui est en train de se passer, même si c'est un peu caché ou un peu pas évident non plus. Mais on peut discerner, on peut discriminer ce qui est présenté et ce qui est la réalité ou la raison d'être. Donc, pourquoi le mot discriminer a une mauvaise réputation? C'est que souvent, on parle de discrimination quand on parle de façon sans discrimination, finalement. Alors, si on utilise ce mot discriminer, quand on parle de toutes sortes de choses qui ne sont pas justes, cela devient un autre problème. Et le langage devient aussi une autre difficulté parce que souvent, on utilise le langage pas justement. Donc, on n'utilise pas le mot à bon escient, on n'utilise pas le bon mot correctement. Si on dit d'augmenter la discrimination, ça veut dire, si on parle d'une discrimination positive, ça veut dire qu'on va les choisir selon leur race plutôt que de les choisir selon leur qualité ou leurs habiletés ou leur spécialité. Donc, certains alors, on appellera ça une discrimination positive quand on évalue quelqu'un selon la couleur de la peau ou et souvent quelque chose en lien avec qui n'a rien à voir avec le travail et cela n'a rien à voir avec la discrimination. On ne peut pas parler de discrimination positive parce que ça devient en fait une façon, on utilise le mot d'une mauvaise manière. Mais pour être résilient, on doit pouvoir discriminer ce qui est là et qui n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce jeu qui se joue devant nous? Et tout d'un coup, on peut devenir neutre
pour ne pas être manipulé par le jeu lui-même ou manipulé à se douter de soi ou encore d'être manipulé ou de nous jouer des tours. Et cela nous empêcherait de fonctionner correctement. Donc, dans ce cas-ci, la discrimination est telle que telle, c'est de voir ce qui est devant nous. Donc, on a besoin de vraiment créer cette discrimination pour comprendre les jeux qui sont devant nous. Et ensuite, on doit connaître finalement l'éthique. Et souvent, les gens pensent que l'éthique, on utilise la même éthique dans toutes les situations, et ce n'est pas le cas. Tout doit être regardé en pensant que le monde est complexe et qu'il y a beaucoup de gens qui simplifient les choses et à ce moment-là, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que lorsque on décomplexifie trop, qu'on vulgarise trop une situation, quand la situation est complexe, on ne réussit pas à comprendre réellement ce qui se passe. On ne saisit pas l'essentiel de ce qui est. Alors, pour découvrir la situation simple et claire devant nous. Et pour voir quelque chose très correctement, et alors, c'est la même chose, quelque chose qui est simple, ce n'est pas quelqu'un qui est simple d'esprit, par exemple. Alors, il faut comprendre que les mots ont leur sens et quand on ne les comprend pas tout à fait justement, on peut se faire jouer des tours. Donc, tout cela, ce sont des exemples qui peuvent nous donner le pouvoir de résilience puisque dans certaines ou différentes situations, on doit voir ce qui se passe réellement. Donc, le pouvoir de résilience n'est pas non plus limité au mot résilience, mais on doit regarder en profondeur ce que veut dire le mot et comprendre le contexte dans lequel le mot est utilisé et comment ça s'applique à nous dans notre situation et à ce moment-ci et quel genre de résilience on a besoin de développer en ce moment dans cette situation. Et un autre aspect qui est très intéressant, un autre aphorisme aussi qui est utilisé et que l'on trouve dans la Bhagavad Gita, qu'il y a des situations qui existent pendant un certain temps et ensuite elles disparaissent. Et cela s'applique à tous, à chacun, mais surtout aux situations. Alors, toutes les situations auxquelles on est en train de développer et on développe les situations qui nous apparaissent et pour lesquelles on est en train de développer la résilience, à un moment donné, ces situations pourront disparaître à un moment donné. Parfois, on se dit on doit développer la résilience, peu importe la situation ou quoi que ce soit dans notre vie, mais ça ne fonctionne pas comme cela. On doit développer de la résilience envers pour des situations en particulier, pour des circonstances en particulier, et graduellement, avec le temps, plus on porte attention en développant la résilience, on se rend compte qu'on développe différents types de résilience au fil du temps. Et on accumule toutes sortes d'aspects de résilience et ultimement, les gens vont penser à vous comme étant une personne très résiliente parce qu'ils voient votre résilience dans différentes situations. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Et parfois, vous pouvez penser que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas familier avec une situation. C'est une situation nouvelle dans votre vie et que vous n'avez pas les caractéristiques ou l'expertise ou l'expérience pour bien fonctionner dans cette situation. Et cela aussi peut être très stressant pour vous. Et c'est une partie
pour développer la résilience dans une situation comme ça, on a besoin de se donner un peu de temps pour devenir familier avec la situation, la nouvelle situation. Et une des difficultés, quand on est dans une situation nouvelle, une difficulté, c'est qu'habituellement, on est la seule personne à être nouvelle dans cette situation et les autres ne le sont pas. Et on est souvent à notre désavantage parce qu'on est nouveau dans cette situation, mais souvent les gens autour de nous vont nous donner des difficultés ou on va expérimenter cette difficulté de ne pas savoir, que d'être dans une situation que les autres savent quelque chose que l'on ne sait pas. Et dans ce temps-là, pour devenir résilient, on doit, ça peut, parfois la résilience peut être difficile à développer parce que vous êtes à l'extérieur d'un terrain connu. Par exemple, si vous avez un nouveau travail, vous habitez dans un nouveau pays, ou vous habitez dans une nouvelle culture, peu importe c'est tacite, donc personne n'en parle, alors c'est des ententes tacites, des ententes qui sont, tout le monde sait sans en parler. Donc, si vous leur demandez, ils n'en parleront pas parce que c'est des ententes dont on ne parle pas. Et cet aspect est très important parce que souvent, peut vous mettre à votre désavantage et vous mettre dans une situation inconfortable parce que vous êtes la seule personne qui ne savent pas ce que c'est. Et vous ne savez pas ce qui est tacite, vous êtes la seule personne à ne pas savoir. Donc, dans ce temps-là, vous devez être résilient en fonction de vos émotions et vos sentiments, le fait d'être dans une situation inconfortable, dans un environnement inconfortable et inconnu. Donc, pour devenir résilient dans ce contexte, c'est quelque chose qui est très important et utile. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations complètement nouvelles. Et selon l'individu, probablement la majorité des personnes n'ont pas à changer de travail ou de culture. La majorité des gens appartiennent à un milieu et naissent là et meurent là. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir ce genre de résilience ce genre de résilience est nécessaire pour les individus qui passent leur temps à changer de travail, changer de lieu où ils habitent, changer de lieu, ou même culturellement, changer de lieu culturel. Et quand vous êtes là pour la première fois, vous l'expérimentez comme étant quelque chose de très difficile, mais après plusieurs fois, quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous augmentez votre expérience et cette expérience qui augmente, c'est ce qui vous donne la résilience. Et vous n'avez plus besoin de vous sentir aussi inconfortable dans des situations aussi inconfortables, par exemple. Et cela aussi prend encore la forme d'une résilience, mais ce genre de résilience est un résultat direct de l'expérience. Donc, l'expérience et la résilience peuvent aller ensemble aussi. Un autre aspect, un autre élément important qu'il ne faut pas ignorer, vous pouvez aussi une personne qui est très sensible, qui est fragile parfois et que vous sentez, vous êtes très sensible et que vous aimez les choses très facilement, vous n'aimez pas les choses très facilement. Comment est-ce qu'on peut construire une résilience si on est quelqu'un comme cela? Parce qu'on peut avoir des résistances à développer la résilience. Parce qu'on peut penser que si on développe la résilience, ça veut dire qu'on doit
laisser aller notre sensibilité ou notre raffinement ou notre culture ou toutes sortes de choses qui fait. Mais ce genre de résilience est en lien cette fois-ci de trouver le compromis ou encore de trouver un point d'entente et trouver des compromis qui sont des choses qui ne sont pas très importantes et de pouvoir donc trouver des compromis judicieux pour ne pas laisser aller les choses qui sont très importantes pour soi, donc dans des situations sociales. Mais cette habileté à pouvoir faire des compromis pourra aider à la résilience aussi. Donc, je pense que je vais m'arrêter parce que j'ai parlé de différents types de résilience et je pense que vous pouvez avoir des questions ou des commentaires à ce sujet. Et donc, je vais demander à Dr. Anu de commencer à proposer des questions. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects de la résilience. Alors, je vais inviter chacun à poser leurs questions et poser directement à Dr. Anu. Comment peut-on avoir cette neutralité, cet équilibre de la neutralité? Ça me semble que quand on est très sûr de soi, quand on a confiance en soi, et à ce moment-là, les circonstances autour de nous, comme je parlais tantôt, c'était des jeux. Le but du jeu, c'est de vous mettre en déséquilibre par rapport à ce que vous faites. Donc, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que le jeu existe et que ce n'est pas juste vous qu'on veut mettre en déséquilibre, mais ce jeu est un jeu pour vous rendre d'être en détresse émotionnelle. Et le but du jeu, c'est de rendre les personnes, naître ces personnes dans cette détresse émotionnelle. Et il y a des gens qui le font, veulent le faire, ils le font intentionnel. Et si vous ne comprenez pas que c'est ce jeu qui se passe, vous allez vous laisser piéger. Donc, si vous pouvez voir le piège et reconnaître le jeu qui est en train de se jouer, vous ne tomberez pas dans ce piège et vous pourrez rester dans votre pouvoir puisque vous allez comprendre. Et pratiquer ceci est quelque chose de très important puisque ce genre de jeu, ce genre de piège sont tout autour de nous. Et il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont jaloux ou parce qu'ils sont compétitifs ou qu'ils ont désir d'un type ou d'un autre, ils vont développer leurs compétences à avoir un avantage sur les autres, un avantage qui n'est pas juste parce que l'autre est trop naïf ou quelqu'un prend les choses au pied de la lettre ou ne voit pas le jeu qui est en train d'être joué. Et à ce moment-là, tombera dans cette détresse émotionnelle. Donc, vous devez d'abord comprendre le jeu, que le jeu soit bon ou mauvais, ça n'a pas d'importance. Le but, le point, c'est que le jeu existe et on comprend le jeu et on se positionne pour pouvoir répondre à ce qui nous est envoyé ou ce qui nous est donné et saisir qui nous sont envoyés avec l'idée de nous déstabiliser. Donc, si on se neutralise devant ce genre de situation, ça veut dire qu'on a compris ce qui se passe et on a compris le jeu. Et à ce moment-là, c'est le pouvoir de discrimination devient très important. Et d'une manière, et c'est dans ce jeu, quand on découvre le jeu qui est devant nous, c'est à ce moment-là qu'on crée et qu'on réussit à développer notre résilience. Donc, pas se neutraliser, être neutre, se centrer finalement devant le jeu du point de vue des émotions.
Elle va ajouter quelque chose. Si vous êtes sensible, par exemple, et vous avez été entraîné à être poli, gentil, et ils le savent. Donc, à ce moment-là, ils vont savoir vous déstabiliser parce que vous savez, ils savent comment vous avez été conditionné. Donc, vous devez comprendre d'abord que vous avez eu un conditionnement à être vulnérable et vous devez vous déconditionner ou vous devez neutraliser cette façon de vous être, d'avoir appris. Vous devez travailler, c'est assez complexe. Être un être humain, c'est très complexe, dit Denise. Mais en même temps, si vous comprenez vraiment bien que parfois on a certains conditionnements et on a besoin de neutraliser certains conditionnements pour pouvoir justement être en équilibre et neutre devant une situation où les autres veulent nous déstabiliser. Donc, tous ceux qui sont les jeux qui ont beaucoup d'habileté à déstabiliser les autres et que cette personne n'est pas déstabilisable, et que la personne n'est pas déstabilisée, la personne qui est très forte à ce jeu de déstabiliser les autres, elle sera très admirative ou sera très, très impressionnée aussi de rencontrer quelqu'un qui devrait être déstabilisé et ne le sera pas. Alors, à nous, parfois on croit qu'on est très sensible et qu'on pense prendre soin des autres. On ne laisse pas aller et à ce moment-là, la situation, on dit, c'est nous d'être résilients. Comment est-ce qu'on peut laisser aller? C'est difficile. Je ne comprends pas sa question parce que la voix casse, mais je vais écouter la réponse. Donc, le problème est le suivant, dit Denise. Dans certaines situations, dans certaines cultures, surtout les cultures patriarcales, les femmes en particulier vont être entraînées qu'on doit être gentille quand les gens sont abusifs avec nous. On doit être tolérant et ne pas donner nos limites, ne pas présenter nos limites et on doit le faire. Et en Inde, particulièrement, cette mythologie du Ramayana, c'est très profond et ça explique vraiment les mariadas. Et les mariadas, ce sont des limites. Il y a des mariadas qui sont saines et il y a des limites qui ne sont pas saines. Et souvent, il y a des gens qui nous mettent dans des pièges à partir de notre enfance et vont utiliser la mythologie et les mythes et les légendes pour nous faire toujours continuellement tomber dans ces pièges. Et parce qu'on ne sait pas que c'est un piège, quand les gens vous abusent, quand ils dépassent leur frontière, on doit mettre notre frontière ou nos limites. Et à ce moment-là, les gens répondront, mais vous êtes en train d'être une bonne femme ou vous n'êtes pas en train d'être une bonne hôtesse ou vous n'êtes pas gentille. Et à ce moment-là, ils vous amèneront à laisser tomber votre limite et ce sera votre désavantage. Et vous devez comprendre cela. Et vous devez comprendre aussi que vous avez des droits et que tout le monde a des droits et que vos droits s'arrêtent, les droits de tous. La limite est quand on si justement cette frontière, on dépasse la frontière de l'autre, on dépasse la limite des autres. Alors, il y a certaines cultures
qui pensent qu'on peut dépasser toutes les limites, que c'est possible, particulièrement avec les femmes. Et ce sont des systèmes qui sont très sophistiqués et c'est ce qu'ils font aux femmes. Et si on veut fonctionner correctement dans ce genre de jeu, sans être manipulé ou... Et si on veut, dans ce jeu, être capable de jouer à ce jeu va être un jeu de séduction, un jeu de malhonnêteté. Et on cherche les faibles, les faiblesses des autres. Et ça devient un jeu très compliqué de vices, des vices qui combattent d'autres vices. Donc, les êtres qui désirent être un être pur et vertueux, on doit avoir beaucoup d'habileté en tant que personne pure et vertueuse dans un environnement où on est dans un environnement où tout peut tirer avantage de notre innocence et faire en sorte que les gens qui dépassent les règles vont paraître bien et l'autre de qui on aura pris avantage paraîtra mal. Donc, c'est un jeu très dangereux. Et c'est très dangereux pour les gens qui sont motivés par la bonté et la gentillesse. Mais ceux qui ne le sont pas, c'est plus facile, le jeu est plus facile pour eux. Mais pour les gens qui sont motivés par la bonté, l'innocence, la gentillesse, c'est beaucoup plus difficile. Oui, on t'entend. Connaître ma motivation. Est-ce que si ma motivation est pure et claire et en sachant que les gens... Donc, c'est une question qui est très proche de la question qui vient d'être développée. Donc, comprendre, pratiquer l'expérience, c'est très, très difficile. L'expérience est un élément important et un attribut important dans la résilience. Et étudier aussi, observer ce qui se passe. Et la clé de cette... Et d'abord, être souverain du soi. Et dans le Raja Yoga, on étudie et on dit de ne jamais descendre de notre trône du respect du soi. Parce que le respect du soi doit être toujours plus grand que le respect que l'on a pour les autres. Et ils n'aimeront pas cette idée. Mais c'est très important et c'est une idée importante. On doit toujours, si on est vraiment dans notre respect du soi et que les autres essaient de vous piéger ou essayer de ne pas vous respecter, vous devez pouvoir appeler l'autre, appeler et le défier dans sa façon de vouloir vous piéger. Donc, le mot diplomatie, c'est d'être en mesure d'être capable de se représenter sans devenir émotif ou tomber en bas du siège du respect du soi. Donc, toujours rester sur et être en mesure de se représenter soi-même et être dans ce jeu que l'on va avoir neutralisé. Et ça s'appelle la diplomatie. Donc, garder à quelqu'un qui est diplomate doit être bon dans ce genre de situation. Donc, de ne pas perdre, ne pas être affecté émotivement, on peut se représenter correctement. Le respect du soi, et le respect des autres, mais respecter le soi plus que respecter les autres. Ce n'est pas l'idée d'être, de ne pas avoir de respect pour les autres. Alors,
Si on est vraiment dans le respect du soi, vous ne le ferez pas. Et parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous rendre tellement émotif. Ils vont dire que votre réaction devient complètement... ils vont dire que vous êtes en train de ne pas les respecter. De ne pas les respecter juste parce que vous êtes émotif dans la situation. Donc, c'est très, très... Il y a beaucoup de questions dans le chat. Une question sera la suivante. Est-ce que je dois méditer plus longtemps pour avoir cette clarté? Ça peut être ça, de méditer plus d'heures, mais je ne pense pas que c'est la méditation. La qualité de la méditation ne dépend pas du temps qu'on médite. Ma propre définition de la méditation, c'est de penser très profondément à ce à quoi on doit penser. Et ce que l'on doit penser dans ce cas-ci, c'est quel est le sens du respect du soi. Et on doit penser à cela profondément. La méditation, simplement rester assis devant une image, ce n'est pas la méditation. C'est ne rien faire d'autre. Donc, certaines personnes ne savent pas comment méditer. Mais quand on parle de la méditation, c'est de penser profondément au sujet de ce qui est nécessaire. Et le premier aspect, c'est la base de la méditation, c'est la concentration. Alors, penser quel est le respect du soi. Alors, si on veut parler sur le respect du soi et qu'on pense à autre chose, on n'est pas en train de méditer, on est en train d'être distrait. Donc, on doit se concentrer et ensuite, on doit penser à l'étude. Qu'est-ce que l'étude dit du siège du respect du soi? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les limites que je dois établir pour... Mais c'est pas simplement l'idée que je ne dois pas sortir de mes limites à moi, mais que quelqu'un d'autre ne peut pas aller au-delà de mes limites à moi. Donc, c'est de savoir qui je suis. Et on se rappelle de Daddy Yankee, qui sont très simplement, et parfois les gens ne portent pas attention, elle disait « Om Shanti » trois fois. Mais le premier « Om Shanti », c'est « Qui suis-je? Pour qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? » Qu'est-ce que je suis? Je suis une âme. Mais qui suis-je? Qui suis-je exactement? Quelle âme? Quel genre d'âme suis-je? Et la deuxième, à qui est-ce que j'appartiens? J'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. C'est comme cela qu'on construit notre... Non, je ne suis pas un dévot. Je suis un héritier. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la personne la plus importante. La personne la plus importante, c'est mon père. Et si quelqu'un veut ne pas me respecter, il doit faire. Les autres vont devoir savoir que mon père est très respectable et qu'on a une relation avec Dieu. On commande le respect. On ne demande pas à être respecté, on commande le respect. Et le troisième, comment on se conduit, comment on se représente sans être émotif, c'est un grand morceau, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est la méditation. À être puissant, c'est très, très puissant. La méditation, c'est de devenir très puissant, dit Anou. Et ce respect du soi, qu'est-ce qu'ils sont en train de... Cette connexion, ils sont en train de cette relation avec Dieu. On doit affirmer à soi-même que je suis cela. Si les gens pensent... Parfois, les gens
sont conditionnés à penser qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'a pas de droit et ils n'ont pas de valeur. Et tout cela, c'est lié au conditionnement. Et c'est beaucoup de travail de défaire ce conditionnement et de faire en sorte que tout est juste. Et tout cela, c'est une pratique, un dialogue, une étude, c'est tout cela. Donc, on s'asseoir avec soi-même et dire, OK, de quelle manière est-ce que Dieu me regarde? Alors, ces différentes personnes qui veulent me changer, comment les autres me regardent et comment Dieu me regarde? Et qui est-ce qu'on veut qui nous regarde? Est-ce qu'on veut être dans le drishti de notre Père spirituel? Ou est-ce qu'on veut que les autres projettent sur nous qui ils sont et qu'ensuite qui nous écrasent ou qu'ils se projettent sur nous? Ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut se faire regarder par les autres et qu'ils projettent sur nous leur vision? Ou est-ce qu'on veut être regardé par Dieu? Donc, voir qu'est-ce qui est projeté et qu'est-ce que je suis réellement. Donc, en utilisant le pouvoir de méditation, c'est l'affirmation. L'affirmation du soi, c'est d'abord l'élément, le premier, mais là, en lien avec la résilience. Et être résilient, c'est aussi sans... Non, on n'a pas besoin de faire ça parce que quand on se dit « je suis une âme pure, puissante », quand on dit que je suis une âme puissante, paisible, aimante, énergie vivante, et si je dis tout cela à la plus petite des choses, ça veut dire que je ne comprends pas ce que je dis à mon sujet. Donc, on doit vraiment partir de la méditation, que cela doit devenir très clair qui je suis. Je suis cette âme puissante, lumineuse, paisible, aimante. Et ça, c'est moi, point de lumière. Et c'est moi, et c'est comme cela. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est comme ça qu'on doit se présenter. Donc, la clé, si je suis émotivement ébranlé, je ne suis pas dans mon respect du soi ou dans la résilience. Il y a une autre question qui se présente, par exemple. Tout ceci a besoin de pratique et on doit venir en contact avec certaines gens, mais parfois, on est piégé, alors on se fait prendre. On se fait toujours prendre, toujours, dit Denise. On se fait toujours prendre par surprise et tout le temps, on se trompe, tout le temps, on se trahit, mais on ne doit pas laisser tomber. C'est la chose la plus importante. J'ai appris ça de Daddy Jackie. On ne laisse pas tomber, on n'abandonne pas, on n'attend pas après les autres. On dit, très bien, c'est comme ça et on continue, voilà. Et si on tombe de nouveau, on se relève et et si on fait quelque chose de pas correct, mais on ne doit pas jamais laisser tomber. Et c'est aussi de la résilience. Ne pas laisser tomber ou ne pas abandonner, c'est aussi de la résilience. Quelqu'un vous laisse seul, par exemple, dans des rencontres, on est seul dans la connaissance. Comment est-ce qu'on peut, on peut se sentir seul? Si vous étudiez le Raja Yoga, vous allez avoir entendu qu'un attribut du Raja Yoga, c'est d'avoir toutes les relations avec l'unique. Donc, on ne peut pas se sentir seul. Alors, une perspective que vous pouvez expérimenter est la suivante. Tout ce que vous voyez
travers les yeux et les oreilles. Tout cela, c'est dans votre esprit, pas dans la pièce où vous êtes, parce que la perception est dans l'âme. La perception n'arrive pas dans la pièce où vous êtes. Donc, on doit étudier cette notion de la perception. Et si vous comprenez, alors qu'il soit seul ou pas, cela n'a pas d'importance puisque vous n'êtes pas pour le but des autres, pour être avec les autres, faisant de toutes sortes de compliments. Et je sais que selon la culture, il y a des personnes qui peuvent être isolées ou mis de côté, mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter cela, pas du tout. Alors, quand on a une situation très difficile, je sens que, bien sûr, c'est vous, à l'intérieur de vous, ce que vous allez, comment vous le percevez à travers votre corps, vos yeux, vos oreilles, tout cela. Et il ne me parle pas, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un ne me parle pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne se suit pas bonne ou qu'il ne m'aime pas? Bien, vous pouvez vous dire ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un examen qui est en train d'avoir lieu et que quelque chose est difficile ou non plaisant, je dis dans ce temps-là que c'est un examen, et un examen est toujours là pour nous enseigner quelque chose, pour nous montrer quelque chose que l'on a vraiment besoin de savoir, vraiment besoin de développer, de comprendre. Donc, si les gens vous laissent seuls dans une assemblée spirituelle, qu'est-ce qui est mauvais dans cette... Pourquoi est-ce que vous venez dans une assemblée spirituelle? Vous venez dans une assemblée spirituelle pour étudier, pour méditer, et pour pratiquer, être avec soi-même et avec Dieu, avec toutes sortes d'autres personnes autour de vous. Donc, si vous laissez tranquille, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Mais si vous ne vous le dites pas, pourquoi suis-je dans ce rassemblement spirituel et que vous pensez que vous êtes dans une assemblée sociale et qui vous laisse tout seul dans une assemblée sociale, ce n'est pas une assemblée sociale, c'est une assemblée spirituelle. Alors, c'est un moment pour vous d'être vous, même s'il y a beaucoup de monde autour de vous, et même si les gens n'interagissent pas avec vous, et s'ils interagissent avec vous, ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'habiletés, et s'ils n'interagissent pas avec vous, vous avez besoin d'autres habiletés. Donc, vous devez... Pour interagir avec vous, vous devez augmenter votre valeur de vous-même, de ce que vous pensez de vous. Parce que si vous vous évaluez selon comment les autres personnes vous traitent, vous êtes en train de devenir une victime, vous êtes à leur merci, et ce n'est pas ce qu'un Raja Yogi fait. Un Raja Yogi ne peut jamais être une victime. Qu'il soit bon ou pas bon envers vous, c'est encore une histoire des contraires de tout à l'heure. Quelqu'un qui est avec vous tout le temps ou quelqu'un qui vous ignore, qui est avec vous ou vous ignore, peu importe, vous devez être dans votre équilibre et c'est le test que Raja Yoga vous fait passer comme test. Donc, vous êtes seul et Dali Prakashmani, qui était une grande... leader des Brahma Kumari, qui a pris la relève après Brahma Baba, elle disait tous les jours, mangez 5 bananes. Ça veut dire, vous êtes toujours seul, vous naissez tout seul, vous mourrez seul, vous êtes seul dans la vie, et soyez OK comme ça, avec cette idée d'être seul. Parce que cela vous rend très solide. Et cela fait de vous qui vous êtes vraiment et vous devenez très indépendante. Et ce n'est pas mauvais. Donc, tirez avantage de ça, de situations qui sont apparemment négatives.
pour développer quelque chose qui est très important dans votre qui vous êtes. Parce que dans toute situation, on dit toujours tout ce qui est dans le drama sont bons, mais qu'est-ce qui est bon dans ce qu'on voit? On peut dire que qu'est-ce qui est bon quand les gens nous laissent tranquilles? Ça me donne l'occasion, par exemple, d'être moi, indépendamment de ce que les autres peuvent penser, peuvent aimer ou pas de moi. C'est très bien. Ça peut ne pas être confortable et plaisant, mais et agréable. Mais vous n'êtes pas ici pour vous sentir bien. Vous êtes ici pour devenir profondément. Vous êtes ici pour grandir, pour devenir et d'être un Raja Yogi de très bonne qualité. Donc, c'est un lieu spirituel. On est là pour apprendre qui l'on est et être vraiment qui on est. Et tout ce qui est en train d'arriver est un examen qui m'enseigne quelque chose à mon sujet. Et pourquoi est-ce que ça m'enseigne quelque chose ou qu'est-ce qui m'est enseigné? Alors, toujours retrouver qui on est et être résilient. Si les choses ne vont pas comme nous avons choisi, est-ce qu'il y a une cassure, un point de bascule? Il s'agit, quand on avance, quand on progresse, quand on va d'une situation à une autre, vous êtes un étudiant dans l'université spirituelle et vous allez d'une classe à l'autre, à l'autre et à l'autre. Et à chaque fois que vous changez de situation ou de classe, ce sera de plus en plus difficile. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent c'est difficile au début, mais ça devient facile. Pas vrai du tout, dit Denise. C'est très facile au début et c'est de plus en plus difficile. Vous passez de la maternelle à l'école primaire, secondaire, collégiale, universitaire, doctorat, post-doctorat. Plus vous avancez, plus c'est difficile. Donc, pensez que c'est comme cela. Vous devez préparez-vous à cela. Préparez-vous au niveau suivant parce que cela va se passer. Quand les choses ne se fonctionnent pas, c'est un test. Comment est-ce qu'on... Quand ça ne fonctionne pas, comment on... Il y a beaucoup de choses qui pourront vous humilier, vous déranger, vous bouleverser. Mais dans ces circonstances, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on utilise les pouvoirs, les vertus, les valeurs et faire de soi, et faire de qui on est, à devenir des experts, de plus en plus expérimentés. Et on continue à progresser. Et comprenez que vous êtes en train d'être apprécié, évalué par Dieu et par vous-même tout le temps. Et que votre but, c'est d'avancer. Ce n'est pas d'abandonner, c'est d'aller de l'avant, toujours. C'est tellement profond, la résilience. Tu nous as donné un beau portrait et pour les situations et pour les situations émotionnelles et l'équilibre dans les situations émotionnelles. Je pense que le temps avance rapidement, donc je vais inviter Sister Claudia de nous rejoindre. Elle est au Brésil. Bonjour, Claudia. Bonjour, Claudia. Je suis très contente de voir. Bon après-midi de Brésil. Je suis à 2h30 où tu étais. Je suis venue pour un meeting de famille. Et nous prenons, mais j'aurais pu manquer votre classe parce que je vois que tu as beaucoup de résilience, donc je voulais apprendre un peu plus sur la résilience moi-même. C'est très,
Je sais que j'ai beaucoup de résilience, mais c'est toujours en lien avec le respect de soi. Si on sait qui on est, peu importe ce que les autres nous disent, on sait qu'on est, on a, grâce à notre respect de soi, on peut faire ce qu'on a fait. Oui, c'est le respect de soi qui fait que ça nous rend résilients. C'est le respect de soi qui nous rend résilients. Merci d'avoir été avec nous. Je disais, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je voulais me rendre à la maison parce que je ne voulais pas vous manquer. Alors, je suis contente de t'entendre ce matin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Claudia. C'est mon grand plaisir. J'espère que tu auras un beau séjour à Brésil et tu diras bonjour à la famille brésilienne. Merci, Esther Claudia et Esther Denise et tous ceux. On va faire notre méditation avec Denise. Mais avant cela, je vais donner quelques annonces, quelques petites annonces, les programmes à venir. Alors, peut-être noter. Donc, le prochain atelier va avoir lieu pour explorer encore plus profondément. Et la résilience, ce sera l'atelier. Donc, le 10. Et ce sera avec Judy. Donc, ça aura lieu à 10 heures, le 10, donc la semaine prochaine. Donc, à la première heure, on aura une pratique sur les 8 pouvoirs. On regarde le dernier pouvoir, qui est le pouvoir de coopérer. Et ce sera Suman, qui est un professeur de Raj Yoga, et Tagyan Sarovar, et on la verra à 11h le 11, le dimanche de la semaine prochaine. Donc, vous pouvez noter cela. Et la prochaine rencontre sera avec Vedanti, et Vedanti parlera de paix, Shanti. Alors, on ira encore plus profondément dans la paix, et ce sera Vedanti qui va nous parler. Elle est en Afrique, et dans 15 jours, donc, le 17 septembre, donc, et aujourd'hui, pour nous, ce sera 10h30 pour l'Est du Canada. Et voici l'adresse de Vyasa, qui originalement était un programme pour préparer les valeurs dans le domaine professionnel de la santé. Alors, si vous êtes intéressé à recevoir l'information d'aujourd'hui qui a été donnée, vous pouvez vous adresser à l'une ou l'autre de ces adresses. Alors maintenant, ce sera la méditation avec ses sœurs Denise qui nous prépare avec son commentaire de méditation. Om Shanti. On prend un moment pour tourner l'attention vers l'intérieur. Et ainsi, on devient cet être de lumière, un être ferme. J'affirme, je sais, et je dis, je suis cet être puissant, aimant, heureux, être de lumière. I belong to the J'appartiens
grand à l'esprit de lumière, cette grande source de sagesse. J'appartiens à la suprême est une préparation pour ce qui va se passer. Je deviens de plus en plus expérimentée. Et je prends de la lumière, de ma source de lumière. Je prends de la force et de l'énergie de l'être suprême. Et tout cela pour devenir l'être de moi essentiel et unique, moi. Et je suis assise avec moi-même, en train de me souvenir qui je suis. Quel est mon propos sur la terre? Quel est mon but et objectif? Avec qui suis-je sur la terre? Et tout le reste est un magnifique jeu. L'on apprécie et que l'on acquiert, pour lequel on acquiert de meilleures habiletés, par lequel on acquiert de meilleures habiletés. Om Shanti. Thank you so much, Sister Denise. Very, very empowering session today. Thank you. Take it in our heart, everyone here. So, well, thank you. Thank you, Claudia. Thank you, Dr. Manoj, and all the translators. And it's just lovely to be with you at this time. And lots of love to everyone. Actually, it's our trend to take a photo at the end of the session. So today, I'm sure everybody's feeling their heart really empowered, the concept of self-respect. So let's take the picture with Sister Denise. Everyone who likes to be in the picture, please open your video. A lot of people are opening a bit slowly, but I got it. Thank you so much, Sister Denise, again, and everyone. Have a great day.